Oh, salut à tous, ça pique un peu ce matin, mais je suis ravi parce que je vous emmène fabriquer du chaourse ici dans l'Aube, à l'Aube, avec Ludovic qui bosse chez Fromagerie Lincé, une fromagerie familiale qui existe depuis 6 générations et qui emploie ici 180 salariés. On va découvrir son job ensemble et en plus, il recrute. Allez, suivez-moi. Bonjour Thierry. Bonjour Ludovic. Bah, je suis ravi de bosser avec toi aujourd'hui. Bah, moi également. Alors le job aujourd'hui, on va aller en fabrication. Ok. Et comme ça, je vais te faire découvrir mon univers. C'est ma tenue ? C'est ta tenue. Allez, voilà, c'est action. Parti. Ici, vous fabriquez que du chaourse ? On fabrique que du chaourse. 100% chaourse. 100% chaourse. Actuellement, on fabrique entre 25 et 26 000 caisses tous les jours. Par jour ? Par jour. Wow. Donc là, aujourd'hui, on va extraire les bassines vides qui sont propres et réintégrer les bassines pleines sur la chaîne de production. Ça va, c'est simple. Ça va, c'est simple. Toi, ça fait combien de temps que tu bosses ici ? Alors moi, ça va faire 10 ans que je suis ici. Ouais, félicitations. Je te remercie. ça va faire 10 ans, ouais. Et tu as commencé comme opérateur ? J'ai commencé comme opérateur et après, j'ai évolué au sein de la société parce que je suis arrivé au bon moment. On cherchait un chef d'équipe en fabrication. Et donc, j'ai eu une formation interne de chef d'équipe au niveau communication et qui m'a permis d'évoluer au sein de la société. Ok. Ouais, donc, c'est facile d'évoluer dans cette entreprise. Tout à fait. Avant, tu as fait quoi ? Alors avant, j'étais dans un domaine totalement différent. J'étais concepteur-vendeur chez un cuisiniste. Ah ouais, donc rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Et qu'est-ce qui s'est passé, Ludovic ? Envie de changer totalement. Changement total. C'est-à-dire ? C'est-à-dire avoir pouvoir profiter plus de ma famille, avoir des horaires plus réguliers, la proximité avec mon domicile. Okay. Ça qui est très important. Et comment ton ancien job t'aide aujourd'hui ? Mon ancien job me permettait de communiquer beaucoup avec les gens et d'avoir le côté humain. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour moi. En termes de management d'équipe. En termes de management et de formation au niveau des équipes. Ok. Simplement. Et tu es originaire du coin ? Je suis originaire de Clairet à 4 km. Ah ouais ? Voilà. Donc là, c'est le démoulage, Ludovic, c'est ça ? Le démoulage, exactement. Ok. Donc on a commencé ce matin à 5h45. D'accord. Voilà. Et ça, ils ont été fabriqués quand, ces fromages-là ? Alors, ces fromages-là ont été fabriqués hier. Donc là, on les démoule. C'est pas trop compliqué. Non, c'est pas trop compliqué, c'est assez simple. Ouais. Il faut être synchro. Et après, ils vont être salés tout à l'heure, vers 11h30. Ok. Voilà. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job ? Ah, moi, ce qui me plaît dans le job, c'est que chaque journée est différente. C'est jamais la même chose. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est pas trop difficile. Mais en plus, tu te débrouilles très bien. On va peut-être pouvoir t'embaucher. On va faire quoi ici, Ludovic ? Alors donc là, on va faire ce qu'on appelle la retourne en cave. C'est-à-dire qu'on va retourner nos petits chaourses. Toutes voilà. Les plaques ? Toutes les plaques. Okay. Tout ce qu'il y a dans la cave. Allez, c'est parti. Allez, je te donne tes gants. Ouais. Prends ta clé comme ceci, avec un mouvement de pince. Ok. Et on va balancer, on va retourner les fromages. Voilà, hop comme là. Ceci. Tu te débrouilles comme un chef. Allez. Bon, mais t'as fait quoi comme étude, toi, Ludovic ? Alors, moi, j'ai un BEP comptabilité et un bac pro vente représentation. Ah ouais, donc rien à voir. Rien à voir. Hop. Bon, ça va, je me débrouille pas trop mal. Tu te débrouilles comme un chef, comme je t'ai dit. Hop là. Bon, on fait quoi maintenant, Ludo ? Alors, maintenant qu'on a retourné les fromages, direction le salage. Là ? Là. Okay. Suis-moi. C'est ça, la saleuse ? C'est ça, la saleuse. Et les fromages, ils sont où ? Alors, avant de chercher les fromages, on va la remplir. De sel. De sel. C'est mieux. Allez, hop. Mets ça ici. Ouais. Le couteau pour ouvrir le sac, la sécurité, et on remplit. Bon, et c'est quoi les qualités qu'il me faut pour bosser avec toi ? Ah, pour bosser avec moi ? Ouais. Les qualités, moi, pour moi, c'est faut être humain. Ouais. Humain, avoir le côté une bonne relation humaine, être très polyvalent et aussi dynamique. Ok. Et toi, comment tu vois ton évolution demain ? Demain, au sein de la société, moi, ce que je souhaiterais, c'est devenir agent de maîtrise pour avoir un rôle d'encadrant un peu plus important au sein de la société. Et également, travailler aussi au magasin de la vente détail, puisqu'on a une boutique aussi où on vend nos excellents produits. Ah, c'est ton côté commerce, ça. Voilà, c'est mon côté commerce, ce côté relation clientèle. Alors ici, c'est quoi ? Alors ici, on est au conditionnement, c'est-à-dire que là, c'est la phase finale de la production. Wow. C'est là où vont être emballés tous les produits. Tout est automatisé. Tout est automatisé et partir chez les clients. C'est parti. C'est parti. Et toi, c'est quoi ta recette préférée ? Ma recette préférée, c'est la brioche au chaourse. Que tu fais toi-même ? Que je fais moi-même, ma femme également, et on adore ça. Bon, j'arrive chez toi. Hein. Pas de problème, je t'attends. Le fromage est un dessert. CDI, pour les perspectives d'évolution. Thank you.
Peu importe, chez nous, toutes les tâches difficiles sont mécanisées. Bah, les deux, Chaours. Tiens, Jerry, pour te remercier d'avoir travaillé chez nous. Merci beaucoup et merci pour la production du jour. Moi, j'ai adoré l'expérience, c'était vraiment également sympa. Super produit. Oui. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici à la fromagerie de Vaude, chez Lincé, n'hésitez pas, dans le Grand Est, ils recrutent des postes d'opérateurs, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous.